Fait qu'on s'en va sur Lilgun, mais. Non, mais le TP sur la case d'un adversaire te permet peut-être de lui voler son body. Ah, bon thinking. Je sais pas s'il faut que tu traverses dessus ou s'il faut que tu sois sur la case de l'autre. Tu sais, je sais pas si t'es sur la case de l'autre, si t'avances, ça compte ou non. Je sais pas pour ça. Fait que beaucoup de chemins dans cette map-là, de ce que je vois. Il y a beaucoup d'embranchements qui vont de droite à gauche, fait que j'ai l'impression qu'on peut vraiment se promener beaucoup même. Ouais, vibe de Mario Party 8 avec le Goomba Pirate, très d'accord avec Knight. Je vous souhaite la bienvenue, et voici le plateau où se déroulera notre partie d'aujourd'hui. Est-ce que c'est la première fois sur votre aventurer sur ce plateau? Oui. Fait que les explications. Le volcan situé sur cette île ressemble fortement à un Goomba. Une belle observation. Oui, c'est vrai. Certains passages sont accessibles pendant la marée basse, mais la marée haute les inondera. N'ayez crainte, vous pouvez utiliser les tyroliennes pour voyager d'une île, d'île en île, même à la marée haute. Et par ici, vous trouverez un étang de pêche. Je vous demande bien ce qui mord dans ces eaux. Regardez donc tous ces cas, vous pourrez peut-être emporter avec vous au cours de vos aventures sur l'île. Moi aussi, ce volcan m'intrigue, mais bon, assez de placotage, commençons la partie. Good! Fait qu'il y a de la pêche, il y a de la marée haute, la marée basse, et en gros, il y a des tyroliennes qu'on peut se déplacer à certains emplacements. Pièce à tout le monde, ok. Et là, on va avoir l'étoile bonus, right? Et la première étoile est complètement à gauche. Hey, Rosalina, elle a pas une idée, j'en ai 10, hein. Ici, il ne vous reste plus qu'à récupérer 20 pièces et atteindre avant les autres. Mais là, moi, je veux savoir c'est quoi l'étoile bonus, hein. Je vais maintenant vous indiquer avec quelle étoile bonus nous jouerons. L'étoile bonus sera donc... Bonus des événements, ok. C'est pas celle que je voulais avoir, je voulais peut-être avoir celle de déplacement plus rapidement. Écoutez, on va quand même y aller avec, hein. Je vais maintenant vous distribuer les objets que vous avez choisis. Ça, c'est cool ici que tu vois pas qu'est-ce que les gens choisissent comme item. Je trouve ça cool aussi. Ok. Fait que Rosalina va mettre son piège deux cases en avant. Je vais tomber dessus, je vais perdre mon cash, je vais prendre la première étoile. Je suis sûr et certain que c'est ça qui va arriver. Check ça. Elle va pogner son item, elle va le mettre deux cases en avant. Je vais tomber dessus. Oh my god, il n'y a plus genre 3 bonus random à la fin, ils te disent. C'est un peu ça, Vino. Mais c'est qu'en gros, il y a le mode Mario Party de base et il y a le mode Mario Party Pro. Et en gros, le mode Pro, ça change un peu la donne de la game. Vraiment, là, les règles vont être complètement différentes de ce qu'on a vu tantôt. Mais c'est là qu'on est en train de tester. Fait qu'il y a vraiment un côté RNG qui est putain là dans le game. Tu vas comprendre pourquoi, ok? Fait que mettons j'avance, si je tombe sur, juste regarder les deux cases, soit par là, soit par là. Là on va juste regarder vite fait. Comme là tu peux voir avec le plateau, je vois que l'étoile est là, mais tu vois tous les autres emplacements ici. Chance d'étoile, c'est qu'il y a une étoile qui peut être là. Fait que si on va vers la droite, il y a quand même une étoile qui est là, une autre qui est là. On est mieux d'aller vers la droite en premier, parce qu'il y a plus d'étoiles qui sont vers la droite directement. Fait qu'en gros, les petites cases, qu'il y a une petite étoile qui est dessus, c'est les chances qu'il y ait une étoile qui apparaisse sur la case directement. C'est le spawn possible des étoiles, exactement. Puis quand que l'étoile est prise, elle disparaît après, elle va pas être réutilisable sur celle-ci. Fait qu'en gros, tout le côté, tout le côté RNG de Mario Party est un peu nullifié dans ce mode de jeu-là. Mais qui rend la game complètement différente et j'aime bien. J'aime bien quand même qu'il ait mis les deux modes de jeu. Hein. Il y a vraiment un côté beaucoup plus strat exact. Je trouve ça cool quand même. Et d'avoir le choix, tu sais, de pas imposer ce mode de jeu-là, je trouve ça cool aussi. Parce que comme ça, c'est que ça rend la dynamique. Que si tu as envie de jouer casual, tu peux. Si tu as envie de jouer vraiment plus tryhard, tu peux aussi. C'est quand même très cool. Ce qui serait vraiment cool qu'ils rajoutent, c'est qu'après, tu peux sélectionner tes settings que tu veux. Ça serait insane. Y a pas de nouveau Donkey Kong prévu, non? Non, c'est Tropical Freeze qui sort sur la Switch. Pas Tropical Freeze, excuse-moi. C'est Donkey Kong Country Return qui sort sur la Switch. On prend le rouage de la fortune, j'ai envie de gagner du cash. C'est pas lui qui est tombé. Ce mini-jeu-là dans Mario Party 5, je l'aimais vraiment pas. Je le trouvais vraiment plate. En gros, faut que tu fasses des ground pounds sur les ficelles. Faut pas que ça fasse exploser le roi Bobomb à l'autre bout du monde. Parce que j'aime surtout pas le fait que ton bot peut te sauter dessus non-stop. Puis le fait que des fois tu sais pas trop ce que tu fais.
Avec l'angle de caméra, j'ai vraiment jamais aimé ce jeu-là. Comme je viens d'écraser mon bot, ça m'aide vraiment pas. Et... on a quand même gagné par contre. Quand même. Imagine, il y a le mini-jeu des 9 portes. Non, non, pas ce mini-jeu de 9 portes. Non. Ça va pouvoir créer des belles idées pour un prochain tournoi Mario Party. Exactement. Ça, c'est sûr et certain. Puis tu sais, ce qui est cool avec ce mode de jeu-là, je peux quand même le pimper si ça me tente. Parce que je peux mettre des cases blocs cachés. Tu sais, je pourrais les prédéterminer dans ma tête. Et si quelqu'un tombe dessus, je dis, ah oui, on spin une roulette, un bloc caché pour gagner un truc. Puis après, je le mets quelque part d'autre. Tu sais, il y a des possibilités que je le tweak à, mon, à ma façon. C'est... ça, c'est très cool. Mais tu sais, imagine. Oui, non, mais imagine toutes les idées que je vais pouvoir faire. Mais c'est sûr que je voudrais faire des petites collaborations par-ci par-là. Puis peut-être organiser un autre tournoi, ça me tenterait vraiment beaucoup. Ça, c'est sûr et certain. Parce que ça a vraiment été cool le premier. Puis là, avec celui-là, tu sais, je veux vraiment comme me promener un petit peu à travers le jeu jusqu'à temps que je trouve le goût et comment que je veux le faire, le jeu. Ça me sert à rien, on va juste faire un roulement de dés, pas besoin d'utiliser mon tuyau. On tombe sur 5. Est-ce qu'on tombe sur une case qui serait intéressante d'un côté ou de l'autre? On tombe sur la case rouge, right? 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'on peut pas aller par là. Ah oui, on peut après. Si on va par là, 1, 2, 3, 4, 5, pas bon. On va aller par là, hein? Fait que là, vu que c'est la marée basse, on peut traverser, c'est pas trop un problème. Puis là, on veut pas rester dans la marée basse parce que ça risque de peut-être monter le prochain tour. Fait qu'on va aller vers la droite. Et là, c'est là qu'on montrait tantôt. Les cas chance, c'est que je peux choisir soit un des dooms ou soit 10 pièces. Vu que je suis à 23, on va y aller avec un des dooms pour essayer d'avancer plus rapidement. Pas besoin de l'argent pour le moment. Et on le voit en plus dans l'événement, tu vois, la marée haute va monter directement après le mini-jeu. Fait que j'ai bien fait d'aller vers la droite. À Mario Party Maker, où tu peux mettre, où tu peux être le maître du jeu et influencer en temps réel sur une partie, ça serait insane. Ça serait vraiment insane. Genre que tu puisses vraiment t'amuser comme tu veux dans le jeu, puis faire beaucoup de changements, apporter des trucs par-ci par-là. Mais c'est pour ça que avec l'idée de tournoi, comme j'avais organisé, je pense que je peux quand même, j'ai la liberté de faire un peu ce que je veux avec le mode Party Pro de même. Tu sais, de rajouter le RNG dans un jeu qui est pas tant RNG, je pense que c'est là que ça peut se faire. Mais bon, je vais pas tous vous dire qu'est-ce que je pourrais faire, mais j'ai quelques petites idées en tête. Fait qu'il y a un mini-jeu seul contre tous, tout contre Rosalina, puis en plus c'est doublé. Fait qu'on va essayer d'aller vers quelque chose qu'on n'a pas joué tantôt. Canon crépuscule, boule surprise. Boule surprise, c'est plate, mais on veut quand même le faire. Ok, à faire. Ok, bon, on retourne sur des mini-jeux qu'on a déjà faits. C'est correct. Rosalina, à date, elle a choisi tout le temps de son côté tout seul. C'est elle à chaque fois qui a réussi. Correct, hein. Rosalina a dit, non, moi, je veux jouer à mon jeu. C'est mon jeu et rien d'autre. Je pensais que la plateforme allait rester en haut. Je crois en toi, Dicky, pris tout seul à droite. Comment ça, ça l'a touché, Bowser? Ça l'a jamais touché. Oh, oh, Dicky. Je pensais qu'il l'avait eu. Bowser est gigantesque. C'est vraiment pas un avantage. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes des personnages qui sont plus petits. C'est ça le truc des mini-jeux avec des... que tu te fais toucher, là. Prends un personnage qui est plus petit, t'as moins de chances de te faire toucher. C'est pour ça que je prends Waluigi, c'est pour avoir un petit peu plus de challenge, mettons. Hein. Fait que là, la marée va monter, de ce que je comprends. Marée haute, qu'est-ce que ça arrive si t'es sur la marée basse? Donc, Bowser et Dicky se sont fait prendre, mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'ils retournent juste une case avant? Ok, c'est ça. Ils retournent une case avant, donc ils sont pris sur leur île qui était juste avant. Fait que Dicky va être pris sur son île juste avant. Ok. Fait que tu tournes en rond sur l'île. Fait que comme moi, je vais être pris sur la petite île avec des cas chance. Ok. Je comprends, je comprends. Je sais pas comment les hitbox sont gérés, mais si les persos plus gros se font toucher plus facilement, c'est un peu laid. Je suis prêt à dire que non, il doit avoir quand même la hitbox, ça doit être au milieu du personnage. Parce que oui, j'avoue, si c'est le cas, ça serait quand même cheaté. Hein. Les hitbox sont les mêmes d'habitude, je pense aussi que ça serait ça. Hein. Imaginez que Bowser était tellement un gros désavantage pour... ça serait drôle. Hein.
Donc, première étoile prise du côté de Rosalina, fait que là, ça veut dire que l'étoile va aller vers un autre emplacement avec une chance de tomber une étoile. Du côté à Diki. Diki a pas beaucoup de cash, par contre. Ah, si elle gagnait pas le mini-jeu, elle aurait pas pu l'acheter, tu vois? Riggs. Rig. Rosalina a cheat. Kibou, il y a aucune hitbox parce que ça passe au travers. C'est vrai, ça aussi. Vu de même. Fait que pas besoin d'utiliser mon item. Parce que je veux juste tourner en rond non-stop. C'est cool comme tour. On va y aller avec du cash parce qu'on n'a pas besoin de plus. Hein. Et là, le problème, c'est que je vais rester deux tours sur cette île-là. Hein. Je vais tourner autour de cette île tout seul, comme si de rien n'était. En mode, je m'amuse. Si tu veux du cash, je peux t'en donner. Écoute, à date, j'en ai pris 10 en un tour. Es-tu capable de faire mieux? Ce serait drôle d'avoir des persos low, mid, high comme dans Mario Kart. Plus tu es gros, plus tu récoltes des sous facilement, mais tu te fais plus facilement toucher. Ce serait fou pareil, hein. 20 chacun? Tabarnak. C'est moi qui est en train de payer le communiste. Puisque c'est toi qui atteins cette case, tu vas pouvoir choisir le mini-jeu. Ah, lui, je l'avais vu vite fait. Fourmilis dans les jambes. Je sais pas si c'est juste Fourmili et non Fourmilis. Je pense que c'est plus Fourmili. Hein. Fait qu'en gros, faut que tu t'amuses à sauter sur les petites fourmis et soit sauter aussi sur les adversaires aussi. Mais je peux pas sauter plus haut. La chose, c'est que je peux jumper vraiment haut à un moment donné. Le problème est de pris sur une île jusqu'à des cas de chance où chacun son malheur. Mais oui, non, mais en même temps, c'est pas si mal, hein. Je veux pas cracher dessus, hein. C'est quand même bien. Hein. J'aime le fait que tu peux vraiment monter haut. Mais moi, ce que je me pose la question, c'est est-ce que. Si je jump à droite sur les fourmis. Ok, ça le change de côté. Ok. Bon, mais je voulais tester pour la science. Après, tu peux utiliser le tuyau pour t'échapper de l'île. C'est vrai, mais je pourrais tomber sur une autre île qui serait peut-être pas bonne. Fait que tu sais, en ce moment, ça me dérange pas tant. Ouais, si on joue contre un jour, je te donne 20 coins. Ok, parfait. Fait que si à un moment donné, on fait un duel, t'es obligé de me faire gagner le duel. Correct, j'aime ça. J'aime bien. Fait que Diki va utiliser son D-trip parce qu'il est con. Ok, non. Ça aurait été drôle. Hein. Fait qu'il tombe sur une case chance. Mais peut-être que. Je sais pas si j'utiliserai le tuyau. Puis le tuyau te ramène sur la même île. Ça pourrait être ça aussi. En même temps, j'ai plus de chances de tomber sur un autre île que tomber sur la mienne. Hein. Quand même, les probabilités sont plus grandes. Je joue le jeu de basket. Je joue le jeu de basket. Oh, ça tombe encore sur fucking Rosalina, man. Ça tombe toujours sur elle. Cheating. Ça, c'était dans un autre Mario Party. Je me souviens plus lequel non plus. Les souvenirs du basket. Le basket, là. J'adorais ce mini-jeu, là. Et ça aussi, c'était drôle, le jeu de... Faut que tu fasses un petit chemin de couleur. Bon, là, Bowser, il prend trop de couleurs. Bowser, on enlève sa couleur. Bowser, trop pris de couleurs. Je vais aller dans mon coin. Je vais faire mon petit chemin. Et là, je vais commencer à dominer. C'est le temps de commencer à voler de l'espace. Trop de jaune, trop de jaune, trop de vert. Ça, là, tu peux vraiment suivre quelqu'un pour le faire chier tout le long. Hein. Je sais pas si vous savez, là. 20! On l'a passé, juste 1%. Prends l'estampe pour celui-là. Ben oui, ça arrive plus vite. Imagine. Ça aurait été cool le jeu de basket, j'aurais aimé ça. La blague est validée, je pense que j'ai pas compris la blague. Prends l'estampe pour... Attends, prends l'estampe pour celui-là. Prends ton temps. C'était ça comme l'estampe? Prends l'estampe. Pour celui-là, ton temps. Il est perdu. Madbob.exe a cessé de fonctionner. Non, j'avoue que Mario Kart est quand même une méta, là, mais ça restait quand même cool qu'il y avait plusieurs personnages que tu pouvais jouer de la façon que tu veux quand même. Bon, la marée basse est dans le prochain tour. Diki a pas assez de cash.
Est-ce qu'on prend le tuyau? Est-ce qu'on est fou et on prend le tuyau? On prend le tuyau. On prend le tuyau. Puis on espère tomber directement sur l'île avec l'étoile. Bingo, dread de même. Pas bon ça. Je vais check ça, je vais pogner un juste pour me faire contredire tous mes plans. Merci. Hein. Là, c'est chiant parce que ça veut dire que l'étoile va pas apparaître, là. Par contre. Ça, c'est chiant, là. Le tuyau risque de plombier ta game. Oui. Là, je le oui. D'accord. Bon point. Bien joué. Bien exécuté. Mais on l'a pris quand même. On a été ballsy. On a essayé. Le but, c'est d'essayer dans la vie, puis se dire qu'on est peut-être bon. Fait que Dicky va prendre son tuyau. Ouais. C'est drôle parce que ça va le dire deux fois. Il va dire « Hey, t'as pas assez de pièces. Hey, t'as pas assez de pièces. » Ah non, Dicky va tomber sur une cause d'événement. Ça veut dire qu'il va être en avance pour gagner l'étoile bonus à la fin. Pas bon, ça, par contre. Es-tu obligé de la prendre? Bienvenue à la célèbre tyrolienne de l'île. Je te gage que tu as vraiment envie de l'essayer. Ok, il est obligé. On peut essayer de déboucher quelque part. C'est vrai, peut-être avec cette blague-là, on peut peut-être arriver à quelque chose. Hein? Ok, en plus, tu le payes pour... C'est un scam, ça. On dirait quand t'es en voyage, puis il y a des... Il y a des personnes qui sont un peu partout puis qui font comme « Ah, viens, 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 tu vois, c'est gratuit, je vais te donner quelque chose, là, viens, c'est gratuit. » Puis là, quand ils donnent, ils font « Ah, mais tu peux donner un petit pourboire, hein. Tu peux donner un petit quelque chose, hein. Tu sais, je te l'ai quand même donné, là. » Non, pas les moules. Pas les moules, on fait pêche en cage, on l'a pas fait. Let's go! Il y a pas d'étoiles, mais il peut y avoir des tyroliennes, c'est un singe heureux, c'est vrai. Ok, c'est un 1 contre 3. Je viens de comprendre. Ça fait quoi si on pogne les poissons? Je pense que ça fait rien. Hein. Le joueur doit... solo doit éviter la cage. Les joueurs en trio doivent coopérer pour déplacer au-dessus du bassin et laisser tomber au-dessus du joueur solo. Je crois que ça va être tough. À 3, là? Je crois que c'est quand même complexe. J'ai l'impression que celui qui est tout seul est vraiment la job facile. J'ai vraiment l'impression que celui qui est tout seul peut juste genre nager non-stop. Hein. Ça a l'air d'être trop facile quand t'es tout seul. Terminé. Ben trop facile ce mini-jeu-là pour celui qui est tout seul. Rosalina cheat encore. Rosalina cheating. Moi qui pensais qu'on allait arrêter d'avoir du cheat. Mais non, hein, Rosalina cheat encore. Hein. T'avais cage erré mieux ton... T'as cage erré mieux ton... T'avais cage erré mieux... Ok, ouais, pas... Que là, les jeux de mots tirés par les cheveux... Non, il était pas si pire que ça. C'était pas si pire. J'ai déjà vu pire. Sheesh! C'est Wario! Qu'est-ce que Wario fait? Avec moi comme allié, les autres n'auront plus qu'à pleurer. Je me demande bien quel avantage une alliance avec Wario peut procurer. Gagner à la tournée en 3 et 8 pièces. C'est nul. Nul? Wario, c'est fucking pas bon. Money! Mais c'est pas bon. C'est juste du cash. Rien d'autre. C'est triste, non? Elle vient qu'elle ait juste cette Rosalina, elle m'a l'air bien chiante. Mario Galaxy, ouais, exact. Ah oui, bravo, t'as atteint l'étoile, mais t'as pas d'argent. Bowser peut peut-être... On va essayer de faire le double D, puis essayer d'aller récolter l'étoile. On a peut-être une chance. Hein. On a peut-être une chance de se rendre à cette étoile. Mais je pense qu'il faut quand même avoir un gros roulement de dés, hein, par contre. Hein. 13, possible. On y croit? Levez les bras, chat. C'est le moment de voir si on est chanceux. Attention. Ok. Tristesse.
Je m'en vais sur Bowser directement. Nice. Cool. Tout ce que je voulais avoir dans ma vie, c'est d'aller sur la case de Bowser. Et à droite, on s'en va où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tombe sur une chance. Sinon, on peut aller par ici. On peut aller vers le shop. On peut aller vers le shop. J'ai vraiment levé les bras, je sais, vous avez tous levé les bras. Vous avez essayé de votre meilleur, mais ça n'a pas fonctionné, malheureusement. C'est pas grave! On va aller chercher notre buddy Wario. On va montrer c'est qui les meilleurs. On va aller chercher Wario, puis on va montrer c'est qui est capable d'avoir du cash ici. Parce que Bowser va avoir l'étoile de toute façon. Eh oui. Bingo bingo! Au moins, tu baisses pas les bras. Je baisse jamais les bras. L'important dans Mario Party, c'est de gagner. C'est pas de jouer. Quelqu'un m'a appelé, j'ai entendu le meilleur. Oriquan. T'as-tu hâte au prochain Frosty Battle, Oriquan? Es-tu déjà en train de préparer plein de stratégies? Puis t'es en train de réfléchir à ça ou tu y vas plus en mode relax? Puis tu fais comme, bon, on va voir quand on va t'être rendu là, tu sais. Qui est directement en arrière, finalement. Je sais même pas comment qu'on fait pour aller à celle-ci. J'ai pas vu, par contre, comment s'y rendre. Je vais me préparer lundi, les semaines sont folles. Je comprends. De toute façon, à date, on n'a vraiment pas plus d'informations. Hein. T'sais, les seules informations qu'on a, c'est les in. De savoir... c'est quoi les prochaines cartes. Mais à part de ça... Bon chose, hein. Peut-être dimanche, mais ouais, bien hâte de faire quelques tests. Bien hâte de voir ça. Et là, au moins, ils vont pas prendre l'allié. Fait qu'on est quand même en business encore pour aller chercher. Là, le problème, c'est qu'avec les trucs, les mini-jeux bonus, c'est bien beau d'avoir du cash, mais si je suis pas capable d'avancer dans le game, ça me sert un peu à rien. Hein. Match de boxe, bataille de boule de neige. Ok, c'est un mini-jeu contre Doom. On aurait pas dû prendre ça, non, c'est celui qui me tape dessus. Quel avantage! Anyway, même avec toutes les explications, c'est hyper pas clair. Mais on a fait beaucoup de feedback, Wallet, par rapport à... par rapport aux explications, puis aussi les viewers, c'était pas tant clair et tout ça, fait que... J'ai bien hâte de voir quand même les modifications qui vont être portées par rapport au Frosty Battle. Et je suis vraiment en train de juker Dicky depuis tantôt. Merde. J'étais vraiment en train de le juker non-stop, hein. Viens t'indiquer, il va venir sur moi, je pense qu'il fait vraiment une rotation, oui, il fait vraiment une rotation. Merde. Fait que c'est ça, il fait vraiment une rotation de chacun, fait que si je le bloque... Ah non, il va quand même me taper, je suis con. On va pas aller en avant. Vas-y Rosalina, papa, notre buzzer. Terminé. Fait qu'il y en a 13 quand même, chill. Salut Hélène, bon live, merci. Merci, merci. Bien content de te voir Hélène, j'espère que ça va bien. Mais non, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de feedback qu'on a donné à Frosty. Puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner parce que y a beaucoup de gens. Dans les participants, des fois, c'était pas tant clair. Fait qu'imagine les viewers, c'était pas tant clair. Fait qu'au final, il y avait comme pas grand monde qui comprenait exactement qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse. Fait que. Ah ouais, tu as envoyé du feedback finalement? Oui, oui, j'ai envoyé du feedback. J'ai envoyé un maximum de feedback à Frosty. Je trouvais que ça valait la peine.